Benoît Gélin, donc monsieur le maire de Bouville. Madame Courtemanche, monsieur Fourré, si vous voulez bien venir à côté de monsieur le maire pour donner le départ également. Alors, monsieur le maire a décidé de commencer le décompte à 5. Est-ce que ça va aller, Sébastien? Voilà, donc Madame Courtemanche également. Voilà, bien écoutez, si on a les feux verts de tous les acteurs, c'est pas Philippe, c'est OK. Stéphane, c'est OK également. Dans la voiture ouvreuse, je ne sais pas si je m'entends, mais en tout cas, ça va être parti. Eh bien, monsieur le maire, Madame Courtemanche, monsieur Fourré, ça va être à vous de jouer pour donner le départ. 3, 2, 1, partez. Voilà, et c'est parti. Allez, Stéphane, allez, monsieur le maire, madame la directrice, monsieur le président du conseil d'administration, et bien nous avons donné la parole. Voilà, et c'est parti, donc tous les applaudissements de la finale. Fin tour 1. Allez, Yann. Allez Irène, allez Raphaël, allez. Cadet, fin tour 2. Tour 3, minime.
Allez Irène, allez Raphaël. Fin tour 3, cadet. Il y en a deux devant, Yann! Tour 4. Ça va aller, ça va aller. Fin tour 3. Ah ça y est, ça va commencer à bouger. C'est maintenant là. C'est là qu'il faut les... Allez Raphaël, allez Irène, accroche-toi. Accroche-toi Irène. Allez. Il est à gauche. Il attaque. Allez Yann. Allez Yann. Allez Yann. On a fait une excursion, des pâtés, des montagnes. Il y avait des gens qui avec nous, c'était leur premier voyage. Quand je ne connaissais pas, premier voyage, on le voit de terre. Allez Raphaël, allez. Allez Irène. Allez-toi. Ça roule plus du tout là, hein. Je regarde. Ils sont relevés là. Hein. Des trucs. Il y a le malsain qui était tombé dans le magasin dans par terre. Allez Yann, allez. La plupart des morts, parce que bah, ils sont au mauvais endroit. Ouais.
passage. Alors qu'on salue également Maxime Mbadel, la voiture ouvreuse des U17 sur la ligne d'arrivée d'ici quelques instants. Et bien, ça va être le moment de l'emballage final pour lâcher les U17. Allez, attaque font rage. Les autres, avec notamment le coureur qui porte les couleurs de l'eau en noir et cycliste. Allez, Yann! On se souvient bien de cette arrivée qui nous pose, qui fait extrêmement serré, qui nous est très clair sur la bonne ligne d'arrivée. Et maintenant, on va appeler les U15, le peloton qui arrive au bout de cette ligne droite, et ça va être très certainement un sprint qui va partir de très loin pour l'attribution de cette victoire chez les U15. Et on va laisser donc nos amis arbitres quelques instants avec la prise des numéros de Sarah Sprint qui est lancée de très loin avec les coureurs, notamment le coureur d'Orléans, voilà, qui va peut-être l'emporter. Bravo, Yann! Oh, il est tombé! Voilà, alors que Mathis Noël est en train de franchir cette ligne, alors je ne sais pas qui l'a emporté sur la. Allez, Yann, allez! De cette finale du trophée Crédit Agricole, le trophée départemental. Allez, la voiture ouvreuse, mon cher Christophe, je vais me taire lorsqu'ils vont arriver, bien sûr, que tu puisses prendre les numéros de dossard tranquillement. Et en tout cas, on va attendre l'arrivée de ces coureurs. Allez, on nous annonçait tout à l'heure troisième en tête. Allez, on aperçoit les premiers donc qui arrivent avec Donovan Pichon aux avant-postes, le coureur de Louvet-Réaube. Et qui se fait dépasser sur la ligne par